My favorite movies are action and comedy movies, and probably my favorite one is Anchorman. Why? It's just hilarious. So many good one-liners from it. Mon film américain préféré, c'est Blade, hein, de Wesley Snipes. C'est un film passionnant de vampires, un film qui fait un peu la relation entre le monde normal et le monde des vampires. Donc c'est un film qui a captivé mon attention depuis des années. Il y a eu Blade 1, Blade 2, Blade 3. Et c'est un film parce qu'on sent que Wesley Snipes s'est approprié le rôle de Blade, le rôle de vampire. Et on sent vraiment la réalité. Il y a de la fiction, mais on sent que cette fiction est mélangée à la réalité. Comme dans nos rites africains, on a de la sorcellerie qui souvent s'associe avec le temps moderne. Donc Blade, c'est un film vraiment qui m'a passionné, qui m'a captivé. Déjà Wesley Snipes, déjà je ne savais pas qu'il pouvait réussir ce rôle là. On a toujours connu Wesley Snipes dans des films assez captivants de bagarres et autres, et là réussir dans un rôle de vampire, c'était tout bénef. C'est le film qui m'a vraiment plu, c'est Blade. Our favorite movie is Star Wars. You too? Star Wars, yes. All of the Star Wars. So one of my favorite movies is called Perfume, Story of a Murderer, and it's based off of a novel, and it is, I like it because it's kind of dark, but it's really beautiful. It's a really well done film. The camera work is really beautiful, and it actually, even though it's about a murderer, the themes are a lot about love and identity and kind of finding yourself as a person through other people. So I think that it's really relatable for a broad audience. And it has one of my favorite actors in it, Alan Rickman, who you might know as Snape from Harry Potter. So. Ben, il faut dire que les films américains, c'est d'abord, faut dire que c'est des très bons films. Il y a plein de films, forcément, on va dire que je m'intéresse à beaucoup, beaucoup de films, d'accord? Par exemple, je prends un exemple, Prison Break, je ne sais pas si vous connaissez, Scandal, Olivia Pope, en même temps Le Transporteur, mais celui qui m'a plus marqué et que je regarde presque tous les jours, c'est 24 heures chrono, donc Jack Bauer. Pourquoi? Parce que j'ai envie de dire que cette série, lorsque vous regardez Jack Bauer, vous avez l'impression que ce n'est pas possible. Comment un agent fédéral peut être au-dessus de la loi? Pourquoi? Parce que on va se rendre compte qu'il est le seul, n'est-ce pas, dans l'enceinte de son entité. Mais tous ne le croient pas. Mais ses décisions sont toujours les bonnes. Donc Jack Bauer, vraiment, c'est une série très forte. Et pour parler de Scandal, Olivia Pope, c'est parce que je suis beaucoup intéressé par les questions juridiques. Et c'est ce qui est traité dans, donc les questions relevant du droit. Et Olivia Pope, lorsqu'elle intervient, elle donne des sensations. On a l'impression que la juridiction a un autre niveau. A Few Good Men. Great acting, that great line. I want the truth, you can't handle the truth. Lord of the Rings. Lord of the Rings? Yeah. I think that's a good story, so it's pretty good.